Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le week-end et ça va être pure dose jeu de combat. Je préviens, là, c'est Mortal Kombat ce soir. On espère que le jeu me plaira, vous plaira. Ça va être une toute première, donc je sais pas à quoi m'attendre. Alors, regardez déjà ce menu screen. Cette petite musique douce. C'est complètement trompeur de ce qui va se passer. Y a que Kitana en personnage féminin, là? Attends, il n'y a même pas Scorpion de jouable là? Il y a Sub-Zero, on a Kenshi, Kitana et Liu Kang. Bon, déjà, c'est pas mal de commencer comme ça, dans la tour, histoire de ne pas se faire défoncer par les gens qui ont commencé à jouer à 17h. Et là, on a les caméos. Donc, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de comment ça se passe Mortal Kombat 1, mais c'est un combat en 1 contre 1. Et vous avez une sorte d'assist, donc un personnage qui va vous venir en aide, donc des cameo fighters. Et vous avez tout un tas de cameos qui vont arriver plus tard. Et ça peut aussi être des personnages qui sont dans le roster principal. Tu peux très bien avoir un Scorpion, un Sub-Zero en perso principal et avoir un cameo qui soit Scorpion ou Sub-Zero. Mais c'est pas dit que tous ces personnages du roster de base soient des cameos également. On sait que pour ces deux-là, en tout cas, ils apparaîtront en caméo. J'ai dit caméo. En caméo. Mais c'est pas tout. C'est pas une règle définitive pour tout le monde. Là, en fait, je veux jouer avec mon stick arcade et je crois qu'on peut pas changer de bouton. Wow, magnifique! Attends, L2, R2, c'est quelle touche là? C'est quoi ça? Ah, c'est une chope! A2! L2, R2, ah, c'est les deux touches en bas à droite. Oh, magnifique! J'aime trop les attaques à deux comme ça, c'est triste. Wow! La classe. Oh, attends, il se sert. Attends, Kano là, il s'est servi de Sub-Zero pour prendre appui pour sortir son truc laser. Le cooldown quand tu veux appeler l'assist, en fait, est vraiment court, je trouve. Ah, tu peux déjà l'appeler? Et en fonction du bouton avec lequel vous appuyez pour appeler l'assist, ça va changer aussi ce qu'il va faire. Et lui, c'est quoi sa fatality? Oh! Ah non! Je l'ai vu arriver pour moi celui-là! Oh non! C'est dégueu! Ah, c'est dégueu! Alors là, il suffit des deux Kenshi. Je sais plus qui est mon ombre. Est-ce que c'est mon allié? Oui. Oh là là. Et comment on différencie les deux ombres? Oh, le bordel. T'as l'ombre de Kenshi plus les caméos. Si t'as deux Kenshi, on comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique vite fait. C'est que au stick arcade, le bouton garde, il est là. Il est sur ce bouton-là. Là, la caméra est inversée, mais vous imaginez que c'est loin. C'est vraiment le bouton en bas à droite, en vrai. Pour la garde, ce qui n'est absolument pas intuitif. Normalement, elle doit être sur le pouce ici. Là, c'est le bouton, la touche pour le pouce. Et dans un jeu de combat qui a une garde, sur un bouton, c'est par exemple Dead or Alive. Soul Calibur, bah c'est mon jeu, Soul Calibur. Bah j'ai tout le temps le bouton garde ici.
donc en bas à gauche, ce qui correspond en fait au pouce, au doigt le plus important, ton gros doigt, voilà, qui a le plus de force, il sert à mettre ta garde. Sauf que là, la garde, elle est là de base dans Mortal Kombat, parce que c'est la touche R2 sur la manette et au stick arcade, il se retrouve là. Donc c'est complètement le mindfuck. Je pense que ça va être compliqué de jouer au stick arcade là sur ce stress test. Faudra regarder d'autres tournois pro. Oh mais oui, non mais là, et les amis, le jeu, j'y joue depuis 20 minutes. Attends, il est 21h30? On a commencé à 20h? Ça, quoi? Non, ça attend. Hey, j'ai cru qu'on était 20h30? C'est... Attends. Sérieux, le temps il passe trop vite, c'est pas possible. Cage Mansion. I misjudged you and your comrades. Didn't help you had a snake hissing in your ear. C'est trop stylé ça, les interactions qu'il y a entre les persos avant le combat. Oh, ça c'est une classe folle. Oh, comment tu connais tous ces combos déjà, mec? En fait, j'ai complètement oublié d'appeler mon caméo depuis tout à l'heure. Mais t'as passé combien de temps à t'entraîner là? C'est quoi tout ça? Je ne fais même pas ça avec mon perso. Ouah, et autres. C'est calme. Je sais même pas ouvrir la garde de l'adversaire ici. Oh attends, avec son ombre là! Eh où? Devant, derrière, où? On se protège où? J'arrive pas à faire des avant carrés. Oh, quel enfer! Arrière, avant, carré, à la manette, sérieux. Comment vous faites pour jouer à la manette? Je vous comprends pas. Je suis obligée de jouer avec ça, quoi. C'est pas possible. Faire des arrière, avant, carré pour faire un projectile, j'ai envie de crever. Vous êtes là? Attends, t'es sérieux, mec? Putain, mais c'est une open bêta. Oh, c'est une close bêta, faut pas déconner. Putain, il était beau mon combo. Il y avait vraiment pas de quoi déconnecter là, franchement. Wow, non mais les combos là, je suis pas là. Hein. Alors, je vous avais dit que ça avait l'air relou à jouer contre le Zéro avec son clone de glace. Oh non! Qu'est-ce que tu fais contre ça? Je pense qu'il faut appeler un assist. Hein. Ouh! The fuck? Oh non, encore un crash. Là, ça par contre, ça devient violent. En fait, je pense que les Américains, ils ont commencé à doser le jeu. Ils se sont réveillés. Oh. Non, non, c'est pas un rageux là. C'est vraiment normal. Apparemment, c'est le serveur qui crash. Ouais, ça commence à devenir chaud. Ça fait 3 games où je crash au début d'un match. Bah là, ça fait. Ça commence à faire beaucoup là. Non! Wow! C'était stylé! Ah, ça passe en dessous ça. Ah, tu peux contrer direct. Oh, elle est trop stylée. Le Fatal Blow est trop stylé.
Oh, je saute pourtant. Oh, c'est trop chiant. Je comprends rien avec ses flammes, avec son caméo. Il venait de sortir, comment il a pu revenir? Mais ouais, Didou, il n'y a aucun doute. Scorpion, il aura toujours son coup. Son coup comme... Get over here. Oh, c'est trop là. Oh, il est fort. C'est quoi ça? Son dragon, il traverse tout l'écran. Oh, mais il est craqué, je vous jure. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, hein. Son dragon qui traverse tout l'écran. Il en a un qui touche en bas aussi. Qui passe en dessous des projectiles. Et qui traverse tout l'écran. Pardon? Comment tu peux... Un caméo peut être plus fort qu'une super. Ça n'a strictement aucune logique. Comment c'est possible? En plus, c'est un vieux laser de merde. J'ai toujours pas fait la balayette éventail, là. Oh, nice. Ça, c'est un coup super sympa, je pense, pour finir. Oh, il y a un dernier hit. Ah, contre les projectiles, ça va être l'horreur. Le jeu, il sort le 14 septembre si vous avez précommandé le jeu. Sinon, ça sort le 19 septembre. Quel enfer, ce jeu. Vraiment. Projectile, c'est le mur de glace que ça bat, c'est pas les deux. Eh, je l'ai fait en version règle, tu pourrais toucher au moins. Ça, j'ai fait largement avant que tu sortes le clone. Qu'est-ce qui se passe? Ah, valait mieux que ça crache le serveur maintenant. Le serveur, il a dit on arrête tout. On arrête le massacre. C'était trop violent. Déjà que le jeu est Peggy 18, le jeu ne supporte pas une telle raclée. Du jeu. Oh, ça me saoule. Round one, fight. Oh non, ça a craché là. Wow. Round one, fight. Donc avec tout ça là, j'ai pas pu le finir. Ah voilà, merci. Oh waouh, non, c'est trop. Aïe aïe aïe, les serveurs ils tiennent plus. Un premier avis à chaud du coup avant de passer sur Street. Ben écoute, je regrette que ce soit aussi rigide et lent. En fait, je m'attendais à ce qu'avec les caméos ça soit beaucoup plus dynamique, enfin plus rapide, plus fluide, et que ça justifierait le côté lourd du jeu. Parce qu'il se passerait beaucoup de choses à l'écran. J'ai l'impression que ça rend plus le truc confus qu'autre chose pour l'instant. C'est vraiment des avis à chaud. Hein. Déjà, je me concentre sur ce qui se passe entre le 1v1. Et là, les caméos, vraiment...
Je les vois passer, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais c'est normal, c'est le début. J'aurais préféré que le cooldown des caméos soit beaucoup plus élevé. Là, je pense qu'ils rechargent trop vite. Bon, je crois, les amis, que ça va être Street Fighter. Je crois que là, les serveurs, ils m'ont dit arrête, arrête, arrête de jouer.